Dans la vidéo précédente, on a terminé en déterminant la configuration électronique du gaz noble néon 1s2, 2s2, 2p6. Et on a parlé du lien entre la structure du tableau périodique et le remplissage des sous-couches et des orbitales 1s, 2s, 2p. Donc pour le néon, qui est ici dans le tableau périodique, eh bien on va commencer par remplir l'orbital 1s, donc 1s1, 1s2, comme l'hydrogène et l'hélium. Puis on passe à la deuxième couche, on va remplir d'abord l'orbital 2s, 2s1, 2s2. Puis on passe aux orbitales 2p ici, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5 et enfin pour le néon, 2p6. Donc on voit bien ici le lien entre la structure du tableau périodique et puis la configuration électronique qu'on obtient pour le néon. Ici on va s'intéresser à la troisième période, n égale 3. À commencer par le premier élément de cette troisième ligne du tableau, le sodium qui a 11 électrons, donc un de plus que le néon. Et comme on a vu précédemment, la deuxième couche est pleine. On a rempli toutes les orbitales, l'orbital de la première couche 1s, et puis les orbitales du deuxième niveau d'énergie 2s et les trois orbitales 2p. Donc si on veut rajouter un électron, comme le 11e électron pour le sodium, il nous faut commencer à remplir la troisième couche, troisième niveau d'énergie pour n égale 3. Et pour n égale 3, eh bien on peut avoir pour L trois valeurs, 0, ce qui correspond donc à une orbitale S, on va donc avoir une orbitale 3S. L peut être égal à 1, ce qui correspond donc à des orbitales P, trois orbitales P, donc on va avoir des orbitales 3P. Et puis L peut être également égal à 2, ce qui correspond à des orbitales D. Et on en a 5, puisque pour L égale 2, on peut avoir comme valeur pour le nombre quantique magnétique M indice L, moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. Donc 5 valeurs possibles, donc 5 orbitales 3D. Si on représente ces orbitales de ce niveau N égale 3 sur un diagramme énergétique, je vais avoir ici la plus basse en énergie, l'orbitale 3S, puis un peu au-dessus, les orbitales 3P, 3 orbitales 3P qui ont le même niveau d'énergie, puis au-dessus, les 5 orbitales 3D, 4, 5, avec ici l'énergie. Revenons donc au sodium et à ses 11 électrons. Pour le sodium, les 10 premiers électrons sont placés dans les couches 1 et 2 et ont la même configuration électronique que dans le néon, donc 1s2, 2s2, 2p6. Ça, ça fait 10 électrons. Il reste maintenant un 11e électron à placer. On va donc le placer dans la troisième couche, puisque la deuxième couche est pleine. Et cet électron, il va occuper l'orbital de plus basse énergie possible, c'est-à-dire l'orbital 3s. Donc on va retrouver cet électron ici, dans cet orbital 3s. Donc la configuration électronique du sodium, c'est 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Un électron dans l'orbital 3s. Donc ça, c'est une façon d'écrire la configuration électronique du sodium. Et on peut également utiliser une autre notation qu'on appelle la notation gaz noble, qui va permettre de simplifier et d'alléger un peu l'écriture, puisqu'on remarque que ces 10 électrons ici correspondent à la configuration électronique du néon. Donc pour simplifier l'écriture, eh bien on va écrire à la place de ces 10 électrons ici, directement, le gaz noble auquel correspond cette configuration, le néon. Puis on met les électrons qui restent, 3s1. Donc pour mettre en place cette écriture, on regarde quel est le gaz noble qui précède dans le tableau périodique. Pour le sodium, on remonte en haut à droite, il s'agit du néon, le néon. Et puis, on indique ensuite les autres électrons qui restent, ici simplement l'électron qui occupe l'orbital 3s, donc néon 3s1. On va s'intéresser maintenant à un autre élément de cette troisième période. On va s'intéresser à l'aluminium, qui a comme numéro atomique 13, donc 13 électrons à placer dans l'atome neutre d'aluminium. Donc pour l'aluminium, 13 électrons à placer, on va utiliser la notation gaz noble. Donc le gaz noble qui précède l'aluminium dans le tableau périodique, je remonte en haut à droite, c'est le néon. Donc ici on indique néon entre crochets. Et puis ensuite, je vais remplir orbital 3s, 3s1 pour le sodium, 3s2 qui correspond au magnésium. Donc j'ai déjà l'orbital 3s qui va être occupé complètement. Et puis il va me rester un électron à placer. Donc si j'utilise le diagramme ici pour remplir mes sous-couches, c'est donc un deuxième électron ici qui correspond à l'orbital 3s. Et puis l'électron suivant, on va le placer dans l'orbital de plus basse énergie qui suit, c'est-à-dire une orbitale 3p, par exemple dans cette orbitale 3p ici. Donc la configuration électronique de l'aluminium, c'est néon 3s2 3p1. Si je m'intéresse maintenant
au dernier élément de cette troisième période, l'argon, le gaz noble argon, qui a comme numéro atomique 18, c'est-à-dire 18 électrons à placer dans l'argon sous sa forme neutre. Si je détermine sa configuration électronique en utilisant la notation gaz noble, je regarde le gaz noble qui précède dans le tableau périodique, c'est juste au-dessus le néon. Donc on commence par écrire néon entre crochets, puis ensuite on a l'orbital 3s, 3s1, 3s2, 3s2, et puis les orbitales 3p, 3p1, 3p2, 3p3, 3p4, 3p5, 3p6, 3p6. Donc voici la configuration électronique, on va pas très bien le S, voilà, la configuration électronique de l'argon, néon 3s2, 3p6, on a rempli complètement les orbitales 3s et 3p. Si on place ces électrons ici au fur et à mesure de leur remplissage dans le diagramme énergétique, on va d'abord avoir, si on suit la règle de Hund, un électron comme ceci, donc avec spin parallèle dans une autre orbitale de même énergie ici. Ensuite, un autre électron comme ceci, également un spin parallèle dans une autre orbitale de même énergie. Et puis ensuite, on va devoir apparier les électrons, comme ceci, puis comme ceci. Et on retrouve bien 3s2, 3p6, la configuration électronique de l'argon. L'élément suivant dans le tableau périodique, c'est le potassium, qui est sur la quatrième ligne, la quatrième période, la quatrième couche, ici, dans notre tableau périodique. Le potassium, il a 19 électrons, si on a le potassium neutre, un de plus que l'argon. On pourrait alors penser, en regardant le diagramme énergétique ici, que l'électron supplémentaire qu'on a dans le potassium va se placer dans une orbitale 3D. Or, ce n'est pas ce qu'on observe. En effet, on est ici dans la quatrième période, donc n qui vaut 4. Et pour n égale 4, on peut avoir une valeur de L qui est 0, c'est-à-dire une orbitale S. Il existe donc une orbitale 4S, et il se trouve que le niveau d'énergie de l'orbitale 4S est légèrement inférieur au niveau d'énergie des orbitales 3D. Donc je peux placer ici l'orbitale 4S entre les orbitales 3P et les orbitales 3D. Donc pour le potassium, l'électron qu'on va avoir en plus par rapport à l'argon va aller occuper l'orbitale 4S, comme ceci. Et si on utilise la notation gaz noble pour donner sa configuration électronique, mais on regarde juste avant dans le tableau périodique, le gaz noble qui précède, c'est l'argon. Donc pour le potassium, on a l'argon, puis un électron dans l'orbital 4s, donc argon 4s1. Pour le calcium, l'élément suivant, on a 20 électrons, un de plus. Cet électron va pouvoir occuper également l'orbital 4s, puisqu'on peut avoir deux électrons par orbital, avec un spin opposé. Donc la configuration électronique pour le calcium, c'est argon et l'orbital 4s avec deux électrons. Et on retrouve le fait que dans le tableau périodique, au niveau de ces deux premières colonnes ici, on remplit les orbitales s. Donc ce bloc ici, ces deux premières colonnes plus l'hélium, on l'appelle le bloc s, qui correspond au remplissage des orbitales s. Après le calcium, on a 10 colonnes ici. 10 éléments, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on sait qu'il nous reste les orbitales 3D à remplir, avec un niveau d'énergie légèrement supérieur au niveau d'énergie de l'orbital 4S. Chacune de ces 5 orbitales peut accueillir 2 électrons, peut contenir 2 électrons. Au total, on a donc 10 électrons dans les orbitales 3D. On a 10 éléments ici. Ces 10 éléments correspondent donc au remplissage des orbitales 3D. Ici, ces 10 éléments ici, correspondent au remplissage des orbitales 3D. On ne va pas rentrer dans le détail dans cette vidéo du remplissage de ces orbitales 3D. On verra ça dans une vidéo qui est dédiée à ces éléments ici, puisque c'est un petit peu plus compliqué et qu'il y a des exceptions un peu particulières dans le remplissage des orbitales de ces éléments ici. Donc on va passer directement au gallium. Donc le gallium, qui est situé ici, avec un numéro atomique de 31, on va visualiser ce tableau périodique pour trouver la configuration électronique du gallium. Donc pour le gallium, si on utilise la notation gaz noble, on regarde le gaz noble qui précède dans le tableau périodique. Donc on remonte la ligne, on arrive ici à la ligne du dessus à l'argon. Donc à nouveau, il s'agit de l'argon. Et ensuite, on va remplir l'orbital 4s, 4s1, 4s2, potassium, calcium, 4s2. Et puis on va remplir les 5 orbitales 3D avec 10 électrons, 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D5, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9, 3D10. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut le lire dans le tableau périodique.
Donc là, on est arrivé en tout à 30 électrons. Il reste un électron à placer. On est dans la couche N égale 4. On peut avoir L qui vaut 0 et on peut avoir également L qui vaut 1. C'est-à-dire qu'on va avoir 3 orbitales P, 3 orbitales 4P, 4PX, 4PY et 4PZ. Et ici, dans la colonne du gallium, on va commencer à remplir ces orbitales 4P avec un électron. Donc, la configuration électronique, ça va être argon 4S2 3D10 4P1. On peut également trouver une inversion entre les orbitales 4S et 3D. On peut aussi trouver pour le gallium, par exemple, argon 3D10 4S2 4P1. C'est pas très important, on peut trouver les deux. On va voir enfin le dernier élément de cette quatrième période. Il s'agit du gaz noble krypton avec un numéro atomique de 36. Donc pour le krypton, de la même manière, on va utiliser la notation gaz noble. Le gaz noble qui précède est juste au-dessus dans le tableau périodique, il s'agit de l'argon. Donc je vais noter ici, pour le krypton, on a argon. Ensuite, on va remplir l'orbital 4s, 4s1, 4s2. Les orbitales 3D, 3D10 complètement. Et puis les orbitales 4P, 4P1, 4P2, 4P3, 4P4, 4P5 et puis enfin 4P6. Et de la même manière que pour le gallium, on peut également trouver une inversion entre les orbitales 3D et 4S avec la configuration 3D10, 4S2, 4P6. Donc voilà une façon de représenter la configuration électronique du krypton. On a vu ici dans cette vidéo les configurations électroniques des couches 3 et 4 sans s'occuper des détails du remplissage des orbitales 3D qu'on va voir dans une vidéo suivante dédiée à ce bloc D puisqu'on va voir que c'est un petit peu plus compliqué et qu'il y a certaines particularités à connaître.